Bonjour à tous. Pour un petit son de présentation sur la Caserienne 2024. Une Caserienne qui prendra le départ des parcours A et B à 8h le 1er septembre, place Barbuse à Caserne. Le parcours découverte, lui, sera décalé à 9h30. Donc, revenons au parcours A et B. Après avoir pris le départ, donc place Barbuse à Caserne, direction Couladère. Moran, Roquefort et Belbèze. À Belbèze, vous prendrez la direction d'Escoulis. Après avoir traversé Escoulis, prendre la direction de Cassagne. Endroit où les deux parcours se séparent. Le petit, direction Marsoulas. Le B, tout droit, direction Salis. Pour se retrouver ensuite les deux parcours à Marsoulas. En direction de Béchat. Après avoir traversé Béchat, les deux parcours éviteront la forêt en prenant à gauche avant la forêt et rejoindront Pointis pour ensuite parcourir le haut des collines avec une vue imprenable sur la vallée du Salat et un premier ravito les attendra à 300 mètres du sommet du Cap Blanc. Ceci est la première partie jusqu'à ce ravito. Donc là, vous pourrez vous restaurer. Au sommet du Cap Blanc, les parcours A et B se séparent à nouveau. Le parcours A continuera en direction de Tourtouze, le B prendra à droite en direction de Barjac. Après avoir traversé Barjac, les deux parcours se rejoindront avant Tourtouze, où se trouve le deuxième ravito. Ensuite, après avoir traversé Tourtouze et s'être restauré, les deux parcours A et B prendront la direction de Fabas, où une fois encore une séparation se fera. Le petit, donc le A, continuera en direction de Caserne, alors que le B se dirigera en direction de Cerisol. Pour passer au sommet des Trois Pierres, dernière grosse difficulté du parcours. Après avoir franchi le sommet, le parcours B prendra à droite, direction Plavinet, et rejoindra le parcours A, ensuite pour se diriger vers Caserne, où, bien sûr, ils seront attendus pour se ravitailler et recevoir les récompenses. Je vous souhaite donc une bonne balade et une bonne randonnée 2024.